Et salut à toutes et à tous, c'est Apocalypse, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous présenter un énorme glitch d'argent ultra rapide et ultra facile qui permettra à votre ami de vous donner ses véhicules. Alors attention, bien évidemment, lorsqu'un ami vous donnera son véhicule, il ne le perdra pas, il le conservera, sinon que l'un gagne et l'autre perde, ça serait un petit peu nul, il faut que les deux gagnent, bien évidemment. Bien évidemment, le véhicule qu'il vous donnera pourra être vendu et il pourra vous donner n'importe quel type de véhicule, véhicules spéciaux, avions, voitures, vélos, je sais pas moi, moto, on s'en moque, il peut tout vous donner. Enfin bref, on ne va pas trop s'attarder sur l'introduction, vous avez juste à savoir que c'est un ancien glitch qui a été dépatché, c'est-à-dire qu'il a été publié il y a longtemps, puis patché, puis dépatché suite au dernier patch de Rockstar. Allez, bref, sur ce, je vous souhaite une excellente vidéo. Un gros GG au fondeur que vous retrouverez dans la description si jamais je retrouve la première vidéo de ce glitch là. Et sur ce, moi je vous souhaite une excellente vidéo. N'hésitez pas à liker la chaîne et à vous abonner à la vidéo. Et je vous dis bonne vidéo, let's go! Comme pour tous les glitches, il y a quelques prérequis à avoir pour pouvoir faire la manipulation. Et d'ailleurs, vous devez vous douter d'un prérequis. Comme c'est un don de véhicule, il vous faut bien quelqu'un qui donne le véhicule. Il vous faudra donc un ami qui a le véhicule qu'il veut vous donner. Ça peut être un véhicule spécial, une moto, une voiture, on s'en moque, ça peut être n'importe quel véhicule. En plus de ceci, en plus d'un ami, il vous faudra un centre d'opération mobile avec en module 3 le dépôt de véhicules personnels. Je sais, j'insiste à chaque fois dessus, mais parce qu'à chaque fois on me dit ça fonctionne avec l'atelier de customisation. Pourquoi je peux pas rentrer? Ça me dit que mon véhicule ne peut pas être modifié. C'est parce que vous avez l'atelier et non pas le dépôt de véhicules personnels. Dans ce dépôt de véhicules personnels là, vous devrez mettre un véhicule à perdre et plus précisément un Faggio. Vous verrez que d'ailleurs, pour ma part, c'est ce que j'ai mis dans mon centre d'opération mobile. Ce sera beaucoup plus simple pour la manipulation. Une fois que vous avez un ami, un centre d'opération mobile avec un Faggio dedans, et bien tout simplement, il vous faudra quelqu'un qui a un mode de visée différent. Soit vous utilisez une communauté, soit un club Xbox, soit vous allez dans une session publique, vous ajoutez tous les joueurs de la session publique ou de plusieurs sessions publiques. Ensuite, vous revenez en mode histoire et vous changez votre mode de visée. Pour changer votre mode de visée, c'est Start, Paramètres, Commandes, et là où je vous montre actuellement. Si vous êtes en mode de visée libre, vous passez à un assisté, et inversement, ensuite vous allez dans une session et vous faites le glitch avec votre ami. Enfin bref, une fois que vous avez tout ceci, vous êtes prêt pour la manipulation. Alors, c'est parti, let's go! Une fois que vous avez tout ce qu'il faut pour faire la manipulation, vous allez commander votre centre d'opération mobile et vous allez le placer à peu près comme moi, c'est-à-dire qu'il soit assez proche du casino pour gagner du temps. Une fois que vous avez placé votre centre d'opération mobile, vous allez tout simplement rentrer dedans et sortir le Faggio que vous avez mis dedans. Et pendant que vous faites ça, vous allez demander à votre ami de commander le véhicule ou l'avion ou le véhicule spécial qu'il veut vous donner et de le mettre pas loin du centre d'opération mobile, comme l'a fait mon ami. Une fois qu'il a fait ceci, il va monter avec vous sur le Faggio et vous allez vous placer derrière le centre d'opération mobile. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez ouvrir votre menu d'interaction, vous allez cliquer sur « Course improvisée », vous allez sélectionner une destination, n'importe laquelle, on s'en moque, et une fois que vous avez sélectionné la destination, vous allez cliquer sur « Inviter tous les joueurs à porter ». Normalement, votre ami va recevoir une invitation, et cette invitation-là, il va l'accepter. Dès lors, vous allez pouvoir cliquer sur « Commencer » afin de pouvoir commencer la course. On clique sur commencer et donc là c'est très simple, ce qu'on va devoir faire c'est qu'une fois que la course a commencé, on va sortir notre téléphone, aller dans liste d'activités et quitter l'activité en faisant croix X ou XA si vous êtes sur Xbox. Regardez, je fais croix X, ça me fait quitter l'activité. Dorénavant, je fais flèche de droite et normalement après avoir fait flèche de droite, mon ami est expulsé du véhicule. À ce moment-là, ça veut dire qu'on a bien réussi la manipulation. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que mon ami remonte sur le véhicule comme vous avez pu le voir. Et une fois qu'il est sur le véhicule, on se dirige vers la porte du casino et on clique sur parking. Une fois qu'on a cliqué sur parking, on va revenir sur le menu Xbox ou sur le menu PS4 et ensuite on va revenir sur le jeu.
On va donc être bloqué sur cet écran-là et on va devoir rester sur cet écran-là 45 secondes minimum, voire une minute pour assurer le coup. Je vais faire une petite coupure et on se retrouve une fois que ça fait une minute que j'attends. Allez, à tout de suite. Une fois que ça fait 45 secondes ou plus que vous attendez sur cet écran-là, vous allez demander à votre ami de descendre du véhicule en appuyant sur Y ou sur triangle. Vous allez donc avoir la cinématique, puis à la fin de cette cinématique, vous allez avoir un écran noir. Une fois que vous êtes sur cet écran noir-là, il suffit que vous alliez dans votre communauté ou dans votre club Xbox pour rejoindre quelqu'un qui a un mode de visée différent. Ce que je veux dire par rejoindre quelqu'un qui a un mode de visée différent, c'est tout simplement confirmer le premier message d'alerte et refuser le second message d'alerte. Ceci aura pour effet tout simplement de retirer l'écran noir et de vous mettre sous la map un petit peu buggé. Regardez, on confirme le premier message d'alerte et ensuite, une fois qu'on a fait ceci, on refuse le second message d'alerte. On se verra alors sous la map, invisible, et il faudra donc qu'on ouvre Start. Ensuite, une fois qu'on aura ouvert Start, on va aller sur En ligne, on ouvre le pack d'entrée. Une fois que le pack d'entrée est ouvert, on le ferme et on ferme Start. On se verra alors comme moi sous la map. Dorénavant, on va tout simplement attendre de mourir, ça ne prendra que quelques secondes. Et une fois que vous êtes mort, vous allez demander à votre ami de se placer à l'arrière de votre centre d'opération mobile. Une fois que vous avez respawn, vous allez rejoindre votre ami derrière le centre d'opération mobile. D'ailleurs, sachez que votre ami, s'il se place à l'arrière de votre centre, pendant que vous faites la partie mode de visée différent, ce n'est pas grave. En réalité, il faut juste qu'il soit à l'arrière de votre centre au moment où vous aussi vous y allez pour pouvoir faire la suite de la manipulation. Une fois que vous êtes arrivé à l'arrière de votre centre d'opération mobile, vous allez aller sur le cercle bleu et vous allez cliquer sur « Entrer seul ». Ceci aura pour effet de vous donner un écran noir et comme pour le parking auparavant, on va rejoindre quelqu'un qui a un mode de visée différent. Encore une fois, on confirme le premier message d'alerte, on refuse le second, et maintenant, on se dépêche et on monte dans le véhicule de l'ami, et boum, ça nous téléporte dans le centre d'opération mobile. On a bien le véhicule de l'ami. J'espère que ce glitch vous aura plu, parce qu'il est vraiment ultra simple, ultra facile. Il peut aussi être utilisé comme un glitch d'argent, puisque vous pouvez revendre les duplications que vous donnera votre ami. Attention, s'il vous donne 3 fois le même véhicule, le véhicule aura la même plaque, ça fera donc des duplications sale, donc faites bien attention à cela. Dans la description, il y a des informations importantes, n'hésitez pas à la checker ou alors commentaire épinglé, je ne sais pas encore. Sur ce, ciao tout le monde, bye bye, peace over!